Et bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial, car en effet, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo de cover d'un solo légendaire du morceau Nothing Else Matters de Metallica. Et cela m'a donné envie de regarder d'un petit peu plus près autour de leur carrière et de leurs diverses compositions. Pour démarrer cette vidéo spéciale Metallica, nous allons démarrer avec leur morceau datant de 1982 qui s'intitule Seek and Destroy. Mais écoutons de plus près un morceau qui date d'une seule année auparavant du groupe Saxon avec leur morceau Princess of the Night. Avant d'aller plus loin, vous le savez, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Ça aide au référencement YouTube, merci. Passons maintenant à l'année 1984 avec le morceau For Whom the Bell Tolls. À titre de comparaison de ce morceau, nous allons faire un bond jusqu'en 1970. Du côté du groupe Black Sabbath avec leur morceau Fairies Wear Boots. Qui n'a pas déjà entendu le morceau Enter Sandman qui date de 1991 du groupe Metallica? Mais si on écoute un morceau qui date de 1989 du groupe Excel, il y a de fortes similitudes, je vous laisse juger par vous-même. En 1983, Metallica sortait The Four Horsemen. Personnellement, ce petit passage me rappelle un morceau qui date de 1974 de Lynyrd Skynyrd avec leur légendaire titre Sweet Home Alabama. En 1986, Metallica sortait Master of Puppets. Mais écoutons de plus près, à titre de comparaison, un morceau qui date de 1971 de David Bowie avec son titre Andy Warhol. Metallica sortait en 1986, Welcome Home. Mais en 1980, Bleak House sortait leur titre Rainbow Warrior. En 1984, Metallica sortait leur sublime titre Fade to Black. Ce morceau a certainement auto-inspiré Metallica
qui sortait The Unforgiven 2 en 1997. Mais si on remonte un petit peu plus loin, en 1982, Iron Maiden sortait Children of the Damned. Assez récemment, en 2008, Metallica sortait The End of the Line. Et comparons-le à un titre de Pearl Jam qui date de 1991 et qui s'intitule Why Go. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode spécial Metallica. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres exemples, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue, donc je m'arrête ici. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao les amis.